Salut à tous, ravi de vous trouver sur Direct Course. L'hippodrome de Vichy a lancé son meeting de trot. Il propose ce jeudi 16 mai un quintet plus qui s'adresse à des chevaux d'âge. Ils sont 16 au départ. Et dans cette compétition, 4 chevaux semblent se détacher du reste du peloton, à commencer par le 11 Ultra Didacte, un pensionnaire des frères Martens qui est en retard de gain. Le cheval reste sur 2 succès à Lyon-Paris et plus récemment sur les programmes de hier. C'est un cheval estimé, il est déféré des 4 pieds, c'est un bon droitier, l'opposition est dans ses cordes. Je pense qu'il s'annonce difficile à battre. Je lui opposerai le 8 Nelson Derm, un cheval d'origine danoise qui n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer dernièrement sur les programmes de hier. Donc, corde à droite, aucun problème pour lui. Dominique Lecneux a été appelé pour le piloter. Le cheval est bien engagé au premier échelon, à mon avis. Il s'annonce lui aussi redoutable pour les premières places. Le 4, CO Jocelyn. C'est un cheval en retard de gain, un cheval de qualité. Malheureusement, il demeure compliqué, jamais à l'abri d'une incartade. Cela dit, il vient de s'imposer plaisamment sur le programme de Cornemais. Jean-Michel Bazire, son entraîneur, se déplace pour le piloter. Dans ces conditions, il convient de le retenir en bourrant sur un ticket, mais à mon avis, c'est loin d'être une base de jeu dans cette épreuve de par son caractère. Le 15, Ramsès Descharmes, très malheureux lors de son avant-dernière sortie à Lyon-Paris, étant gêné et contrarié. Il vient d'obtenir une logique compensation sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, où il a gagné de peu, mais sûrement. Ici, Franck Nivard sera son pilote. Laurent Simon est confiant. Le cheval devrait terminer parmi les 4 premiers s'il a le bon parcours caché qu'il affectionne. 11, 8, 4 et 15. Voici donc mes 4 préférés pour cette épreuve. Pour les places, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre un accessite. Le 2, Ren Baccara. Le 12, Louisville As, qui devrait courir en progrès. Bref, pour retrouver ma sélection complète, je vous invite à vous rendre sur la rubrique pronostic. Toujours à Vichy, sachez que dans la 7e course, j'aime beaucoup le 708 Ulysse Stories, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition. Christophe Hamel m'avait confié lors d'une récente interview que le cheval revenait progressivement au mieux. D'ailleurs, il vient de prouver sa forme en son 2e dernièrement sur un profil corde à droite. L'opposition est dans ses cordes. Je pense qu'il ici devrait tirer profit de son bon engagement au premier échelon, le 708 Ulysse Tauris. En Réunion 3 sur l'hippodrome de Cholet, Réunion consacrée au trotteur, j'aime beaucoup le 213 Trupix, un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, notamment une victoire récente sur le pont de Caen. Il est déféré des 4 pieds, confié à l'efficace Olivier Touvet. Sachez également qu'il est efficace sous la selle. Bref, c'est un bon point d'appui, ce 213 Strupix. Daniel Vallée m'avait également dit du bien du 303 Ulster de Venou, un cheval estimé. Ici, le cheval reste sur de bonnes sorties, il devrait les confirmer. Le 305 Tabriz de Taillet, un cheval doué, revenu au mieux, mérite également une mention favorable. Tout comme le 315 Ungaro de Flore, qui a connu et qui a eu d'autres prétentions par le passé à Vincennes. 303, 305, 315 en Réunion 3 à Cholet. Je termine avec 2 bonnes informations dans la 5e, notamment celle fournie par Patrick Martin au sujet du 507 à valeur double tour. D'après Patrick Martin, c'est pas mal du tout. La pouliche avait besoin de progresser, de s'affirmer, de s'aguerrir. C'est désormais chose faite et il la juge ici capable de jouer un tout premier rôle. En tout cas, il serait déçu de ne pas faire l'arrivée. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Le 512, également Vanille de Bray, irréprochable depuis ses débuts puisqu'elle compte 2 victoires et une place en autant de courses courues en 3 sorties publiques. Jean-Yves Tuyet est confiant. Son interview est également disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'elle doit rendre 25 mètres, mais a priori, elle en a les moyens, tout du moins pour terminer sur le podium dans cette course où nous avons donc 2 bonnes informations. Le 507, valeur double tour, le 512, Vanille de Bray. Donc 2 bonnes informations disponibles et de par les entraîneurs sur Canal Turf Radio. Course ciblée à Cholet en Réunion 3, la 2e, la 3e et la 5e. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.